toi Kim le Boys of à la folie. J'ai regardé la série belle thaïlandaise Dangerous Romance et aujourd'hui je te dis tout sur ce que j'en ai pensé. C'est parti. Dangerous Romance, c'est l'histoire de Salem qui étudie dans un lycée renommé grâce à une bourse. Ayant perdu ses parents, il vit seul avec son frère et arrive à peine à joindre les deux bouts en cumulant des petits boulots. En essayant de venir en aide à l'un de ses amis, Salem devient la cible du harcèlement de Kang, un gosse de riche qui lui aime intimider les autres élèves. Malgré leur différence de statut, Salem refuse de se laisser marcher sur les pieds. Par un étrange concours de circonstances, il se voit offrir le poste de tuteur de Kang afin d'aider ce dernier à améliorer ses notes. Sauront-ils mettre de côté la haine qu'ils éprouvent l'un pour l'autre pour travailler efficacement ensemble? That is the question. Si ce petit résumé te fait envie, tu trouveras le lien pour regarder Dangerous Romance en description de la vidéo. Dangerous Romance, c'est un BL que j'avais très envie de voir grâce à ce casting qui vend quand même du rêve, faut l'avouer. Hein. Perth Shimon, c'est quand même une promesse GMMTV qui envoyait du lourd à mon sens. J'avais très envie de les voir ensemble à l'écran et je trouve que le défi est relevé avec brio. Tu peux laisser un petit pouce en l'air si toi aussi t'as été convaincu par ce pairing. Dangerous Romance, c'est un BL que j'ai trouvé plutôt drôle et léger, notamment dans les premiers épisodes. J'ai beaucoup aimé me faire surprendre parce que à chaque fois qu'on était dans une situation de conflit entre le riche et le pauvre, il se passait pas du tout ce que j'avais imaginé et j'ai trouvé tous ces petits retournements de situation très rafraîchissants, très jouissifs, j'ai envie de dire, dans le sens où on aime que le riche qui joue au con finalement ben, passe réellement pour un con. J'ai trouvé cet aspect-là très sympa. Là, tu l'auras compris, on est sur un format enemies to lovers, donc au début, ils se détestent, puis ils en viennent à tomber amoureux l'un de l'autre. Moi, cette partie transition, j'ai juste trouvé qu'elle était trop facile et rapide. C'est-à-dire, on part quand même de loin, à mon sens. Le personnage de Perth, c'est quand même un gros p***, n'ayons pas peur des mots. Et j'ai eu un peu l'impression que leur histoire se mettait en place du coup d'un claquement de doigts comme ça, en mode il s'est rien passé, on oublie tout. Alors oui, il y a les circonstances autour qui font que, mais bon, quand même, j'aurais aimé qu'ils se fassent un peu mieux pardonner, qu'ils galèrent un peu plus. Mais sinon, de façon générale, c'est un BL que j'ai bien aimé. Honnêtement, c'est quand même dans le haut du panier, hein. C'est pas un gros coup de cœur non plus pour moi, mais par rapport à la moyenne de ce que j'ai vu dernièrement, je vous assure que j'ai été vraiment surprise, j'étais vraiment embarquée dans l'histoire, j'ai bien aimé. J'ai quand même quelques remarques à faire en spoil, donc si t'as pas encore vu Dangerous Romance, tu peux arrêter la vidéo ici, je voudrais pas gâcher ton plaisir. Alors honnêtement, il y a un moment qui n'était pas du tout drôle, mais qui m'a fait beaucoup rire. Je sais pas toi, mais personnellement, quand dans un BL, un personnage dit à l'autre un truc du genre « T'inquiète, je t'abandonnerai jamais, je serai toujours à tes côtés », je me dis toujours, c'est ça mon gars, on en reparlera quand il y aura la fameuse rupture d'avant-dernier épisode. Et généralement, ça loupe pas. Ici, je crois qu'on a la palme de la promesse de non-abandon la plus courte de l'histoire, puisque Kang dit à Salem qu'il le soutiendra toujours dans l'épreuve que vit son frère, et que une minute plus tard, dans la même scène, il lui dit « Prends tes affaires et dégage de chez moi ». J'avais jamais vu ça personnellement. Les scénaristes, ils m'ont tué. D'habitude, ils osent quand même pas faire ça dans la même scène. Ils laissent passer un peu de temps entre la promesse et le piétinage de la promesse. Là, sans complexe, mais vraiment bravo les gars. J'ai envie de revenir sur un autre moment qui m'a pas du tout fait rire par contre, parce que j'ai trouvé ça tellement illogique. Pour tout avouer, j'ai fait une pause de 2 minutes pour prendre le temps de bien réfléchir à la situation et d'analyser si j'avais bien compris ce que le personnage était en train de dire et d'expliquer. Je te remets dans le contexte. On a le frère de Salem qui est en prison pour avoir soi-disant tiré sur le père de Kang. On apprend que finalement, le vrai tireur, c'est l'espèce de chef de gang là. En fait, il a obligé le frère à assumer le crime en lui faisant du chantage, en menaçant de faire du mal à Salem.
Et donc, on en arrive à la grande tirade du chef de gang en mode « Ouais, mon gars, moi je suis un bonhomme, si je suis le chef, c'est parce que je fais pas de cadeaux. » Et donc, ce génie du mal explique que pour s'assurer que le frère ferme sa bouche, il a envoyé des gars tirer sur Cylum. Mais est-ce que ce serait pas la chose la plus conne du monde à faire? Puisque si tu fais du mal à son petit frère, t'as plus aucun moyen de pression sur le gars qui est à ta place en prison. C'est complètement con. Moi, j'ai envie de dire, si t'es à la tête du gang avec un raisonnement pareil, les gars en dessous, ils doivent être très très bas de plafond, quoi. Pour finir, quelques impressions sur la fin, justement. J'étais un peu déçue personnellement que les couples secondaires, les bromances secondaires, j'ai même envie de dire, aient vraiment une place très très restreinte dans l'intrigue. J'aurais aimé peut-être qu'il y en ait au moins une qui soit un peu plus développée. Surtout, il y en a une qui n'existe pas, mais que j'aurais adoré voir, c'est la romance d'Otto. C'est tellement rare qu'on voit un petit gros dans un bel Thaïlandais. J'aurais vraiment voulu qu'il ait lui aussi droit à son petit moment romantique. Je suis pour la romance accordée au petit gros. Je ne sais pas pourquoi. Sans doute que je m'identifie un peu, hein, d'une certaine façon. Mystère. En tout cas, une fin de série qui, pour une fois, m'a fait super plaisir. C'est-à-dire qu'on arrive au moment du générique de fin. Et je me dis, voilà, encore une fois, on finit sur une pauvre accolade, ils exagèrent, etc. Et là, pouf, 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 petite scène supplémentaire, quand même bien sympathique. Et je me suis dit, et d'ailleurs je l'ai écrit, hein, preuve à la pluie, je vous le mettrai là, c'est comme ça que doit finir un BL. C'est pas autrement, c'est comme ça les gars, c'est ça, exactement ça. Paf, étoile dans les yeux, on reste sur une bonne impression, pas de ramage en vidéo. Et bien voilà, c'est déjà l'heure de se quitter pour aujourd'hui. J'espère que mon avis sur Dangerous Romance t'aura donné envie de le regarder ou t'aura permis de te replonger dedans. Si c'est déjà fait, n'hésite pas à partager en commentaire tes propres impressions sur cette série BL. Et nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo 100% Boys Love. Au plaisir !